tient les chrétiens du monde entier de se ressourcer communautairement dans la présence du Christ. Ce matin, unissons-nous par votre prière à la communauté chrétienne d'East Broughton qui célèbre aujourd'hui le jour du Seigneur. Découvrir cette région, c'est de prendre contact avec le calme et la paix. La nature qui respire la quiétude se marie avec une population d'un peu plus de 3000 habitants. Ce coin de pays est idéal pour vivre paisiblement une pré-retraite bien méritée. C'est d'ailleurs dans cette condition que vit une bonne partie de la population. Ainsi, on peut qualifier cette terre comme étant une oasis de paix. L'Église, fondée en 1871, s'érige fièrement dans un décor naturel et enchanteur. Les gens d'East Broughton vivaient du travail des mines. Maintenant que la mine est fermée, l'économie se résume à quelques petites industries. En revanche, les activités sociales sont très nombreuses et dynamiques. Différents mouvements comme les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle et des groupes de jeunes veillent à ce que la vie communautaire soit active. À East Broughton, le bénévolat se porte très bien. Il est une valeur sûre. De nombreux bénévoles travaillent dans différents projets afin de répondre aux besoins de la population. À chaque été, la paroisse est à l'origine d'un projet bien particulier. Avec la collaboration de différents intervenants de la communauté, 16 000 heures d'emploi sont offertes à 180 jeunes de la place. Par cette initiative, ceux-ci ont la chance de vivre des expériences de travail très enrichissantes. Sur le thème d'une fois à l'autre, cette communauté chrétienne fête le jour du Seigneur. Jésus-Christ veut faire partie de notre cheminement sur cette terre. À chaque jour, il veut nous prendre par la main et vivre avec nous nos joies comme nos peines. Sommes-nous prêts à accueillir dans nos vies celui qui est tellement bon? À tous et à toutes, bonne célébration!
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus qui nous réunit, je veux vous dire à tous un cordial bonjour. Bonjour à vous de la communauté paroissiale d'Isbroughton. Bonjour aussi à vous qui, d'un océan à l'autre, pouvez vous associer à notre célébration. Un bonjour particulier à tous ceux et celles qui sont empêchés par la maladie, l'âge ou le travail de participer à l'Eucharistie de leur communauté. Nous vivons encore dans la foulée de la fête de Noël. L'enfant de Bethléem est porteur d'un message qui inspire notre foi. Nous avons peine à nous en détacher, mais la vie continue. Nous avons encore à apprendre beaucoup sur Jésus. Nous allons écouter Jean-Baptiste qui nous le présente aujourd'hui. Plus tard, nous serons attentifs à ce que Jésus lui-même a dit. Nous écouterons aussi, à l'occasion, le message de ceux qui l'ont suivi et ont été ses témoins. À travers toutes ces démarches, cependant, la naissance de Jésus à Bethléem sera toujours comme une source, une toile de fond, un point de départ pour la croissance de notre foi. Il est venu comme un des nôtres, visage d'homme aux traits de Dieu. Que Dieu notre Père vous donne d'arriver à la vraie connaissance de son Fils Jésus et qu'il soit toujours avec vous. On ne peut s'approcher de Dieu n'importe comment. Il faut s'endimancher le cœur. Prenons d'abord conscience de ce qu'il est et de ce que nous sommes, de ce qu'il attend de nous et de ce que nous faisons. Reconnaissons qu'entre l'Évangile et notre vie, il y a un écart. Notre foi est fragile. Notre amour est vite limité. Notre espérance a de la difficulté à s'enraciner en Jésus. Que le chant de la chorale fasse jaillir de nos cœurs notre repentir et notre confiance à la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Presque 2000 ans après qu'il se fit entendre pour la première fois, le chant des anges annonçant la venue de Jésus résonne encore à nos oreilles et dans nos cœurs. Chantons nous aussi la gloire de Dieu et accueillons la paix que Jésus nous apporte. Glory, 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 glory
nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Frères et sœurs, prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. La mission confiée autrefois au peuple d'Israël s'est réalisée en Jésus qui, à son tour, l'a confié à son Église. Accueillons cette mission dans la joie. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je me glorifierai. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. » Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Voilà.
désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur que je ne cherche plus ailleurs. Pour bien accomplir notre mission d'être lumière des nations, pour que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, nous devons accueillir la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Seigneur. Commencement de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, avec Sosthène, notre frère, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu, vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous les fidèles qui êtes, par appel de Dieu, le peuple saint, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix soit avec vous, de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur. Le Verbe s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous. Par lui deviendront fils de Dieu tous ceux qui le reçoivent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : Après moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer,
c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Mes bien chers amis, qui de nous n'a pas été en admiration devant la confiance d'un tout petit enfant pour ses parents? Comme c'est beau! Il est prêt à se jeter dans le vide parce qu'il ne doute pas un seul instant qu'une main chaleureuse le cueillera au passage. Il répète volontiers ce que papa ou maman a dit, sans mettre en doute un seul instant la pertinence de leur affirmation. Un peu plus tard, à la maternelle ou au début du primaire, quand le jeune rencontre d'autres jeunes qui ont aussi un papa et une maman, il entre dans une espèce de compétition où c'est toujours son papa à lui ou sa maman à lui qui est le plus fort, le plus efficace, le plus capable d'exploits et de réussite. La confiance, la foi de l'enfant est entière, souvent un peu naïve. Elle est compréhensible cependant. Comment un enfant pourrait-il manquer un seul instant de confiance envers ceux qui se préoccupent de lui avec tant d'amour, qui s'organisent pour que rien d'essentiel ne lui manque, qui ne compte ni les heures ni les peines pour son épanouissement? Les parents, par ailleurs, ont très peu d'exigences pour leur jeune enfant. Ils prévoient tout pour lui, ils l'entourent, ils le protègent, l'enfant se sent bien. Au moment de l'adolescence, bien souvent, il se produit comme une remise en question, pour ne pas dire une crise. Les parents, parce qu'ils aiment leur enfant, parce qu'ils veulent le faire grandir, manifestent davantage d'exigences. L'adolescent doit faire sa part, il doit devenir responsable. Mais ces nouvelles exigences peuvent l'amener à un moment donné à douter de l'amour de ses parents. Il n'est plus prêt non plus à cautionner alors toutes leurs affirmations. Il se rend compte que ses parents, qu'il avait idéalisé, ont aussi leurs faiblesses. Sa déception est compréhensible. Il saura la surmonter cependant s'il a gardé en mémoire le souvenir de l'amour qui l'a bercé depuis son enfance. Ce sera pour lui comme une source. Et s'il entrevoit la nouvelle réalité comme une invitation à grandir, sa confiance dans ses parents continuera alors à l'inspirer et lui sera d'un précieux secours. Elle sera devenue une confiance adulte. Notre foi en Dieu a tendance à suivre le même cheminement. Les événements de la naissance de Jésus ont éveillé en nous notre foi d'enfant. Nous sommes accourus à l'Église. Nous avons écouté Jésus qui, dans sa naissance à Bethléem, nous a redit l'amour de Dieu pour nous. Nous nous sommes sentis comme des bergers, invités à côtoyer un Dieu qui se met à notre portée, qui nous accueille de façon inconditionnelle. Nous avons participé aussi à la joie des anges qui ont suscité en nous une si forte espérance.
nous nous sentons bien avec Jésus enfant. Nous nous sentons aimés, cajolés, gâtés par Dieu. Mais c'est lui qui fait le plus long du chemin. Qui pourrait ne pas se sentir attiré par un Dieu qui se fait si proche? Notre attention est alors davantage centrée sur l'amour de ce Dieu plutôt que sur les exigences concrètes qui découlent de sa naissance. Nous nous laissons bercer par l'amour de Dieu pour nous. Nous lui faisons confiance. Nous comptons sur lui. Notre foi au Jésus de la crèche est un peu comme celle d'un enfant vis-à-vis ses parents. Mais ce Jésus, il a grandi. Il est devenu un adulte. Et voilà qu'un jour, il se présente au désert pour appuyer une démarche de conversion amorcée et proclamée par Jean-Baptiste et ses disciples. Ce Jésus, tout en continuant de proclamer l'amour de Dieu, invite aussi à la conversion du cœur, au renoncement, à la pratique des béatitudes, au service des autres, à l'authenticité, à la responsabilité et à beaucoup d'autres exigences. Lui aussi veut nous voir grandir. Mais il arrive que vis-à-vis ces exigences nouvelles, nous ne réagissions pas avec une foi adulte. Nous aimerions pouvoir faire une sélection, choisir ce qui nous convient, mettre entre parenthèses quelques-unes des valeurs proposées par lui. Notre foi voudrait s'arrêter au Jésus de la crèche. Ce Jésus, à cause de ses engagements au service des petits et des marginaux, a suscité l'envie et la haine des chefs spirituels et religieux de son temps. Ils l'ont mis à mort. Parce qu'il a été fidèle, le Père l'a ressuscité. Il est toujours vivant aujourd'hui. Il s'est donné un corps qui est l'Église, qui continue son œuvre de salut dans le monde. Cette Église, parfois, parce qu'elle est humaine aussi, elle remet en question notre foi. Nous, les croyants, comme des adolescents vis-à-vis leurs parents, nous rencontrons en elle des faiblesses. Mais saurons-nous, malgré tout, découvrir dans cette Église la présence de Jésus vivant? Oui, nous pouvons grandir dans la foi. Nous devons grandir dans la foi. Nous aurons toujours besoin de Noël. Nous pourrons y revenir comme à une source et réveiller en nous notre foi d'enfant. Mais nous devons aller plus loin. Accepter le message un peu plus exigeant de Jésus dans sa vie publique commencée au désert. Savoir vivre les signes de la présence de Jésus vivant au milieu de nous et nous incorporer résolument à l'Église qui est signe de salut pour toute l'humanité. Amen. En proclamant notre foi, nous reconnaissons la véracité, la beauté et la richesse de ce que Dieu dit. Chantons-la avec fierté. Je crois en Dieu le Père, Dieu de Marie et de Joseph, Dieu des bergers et des anges. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus, notre Sauveur, né à Bethléem. Il nous apporte la lumière du salut. Il nous aide à bâtir la paix. Je crois.
Je crois en l'Esprit Saint qui sanctifie le peuple des enfants de Dieu et qui leur donne le goût d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Je crois en le Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Nous allons laisser battre notre cœur aux dimensions de l'univers. Nous allons être sensibles aux souffrances, aux peines, aux espoirs de tous les vivants. Implorons Dieu qu'il se montre généreux et bon envers tous. Après chacune des intentions, nous allons garder un court instant de silence. Père, ton Fils Jésus a aimé les enfants. Il a invité des jeunes à le suivre. Inspire à tous les enfants et adolescents du monde le goût et la force de vivre son message intégralement. Père, ton Fils Jésus a vécu au sein d'une famille. Bénis toutes les mamans et tous les papas. Bénis toutes les familles du monde. Prends particulièrement soin des familles en difficulté. Père, Jésus, ton Fils, a voulu être accueilli par les prophètes Siméon et Anne. Donne à toutes les personnes âgées d'être aussi des témoins d'espérance. Père, Jésus est venu pour le salut de tous. Parle au cœur de tous ceux qui n'ont pas la joie de le connaître ou qui le rejettent. Dieu notre Père, nos prières ne te fatiguent pas. Répands ta bénédiction sur tous tes enfants. Conduis-nous de la foi que suscite en nous le Jésus de Bethléem, à la foi radicale proposée par ce même Jésus qui s'est présenté au désert et qui a parcouru les routes de Palestine. Jusqu'à la foi en ce Jésus, toujours vivant aujourd'hui. Nous te le demandons, par ce même Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur s'offre à nous. Nous aussi, nous avons des choses à offrir au Seigneur. À travers les symboles qui seront apportés, ce sont nos joies, nos peines, nos réussites, enfin, toutes nos vies et nos personnes que nous offrons au Seigneur. La colombe symbolise notre acceptation de Jésus comme notre Sauveur et notre volonté de construire la paix. Les timbres qu'apporte un autre jeune symbolisent notre effort missionnaire pour que Jésus soit connu jusqu'aux confins de la terre. En effet, 40 000 timbres sont recueillis chaque année chez nous par les jeunes du primaire pour les missions. Le sigle du centre d'emploi et le livre de comptabilité symbolisent les 16 000 heures d'emploi que la communauté offre à ses 180 adolescents pendant la période des vacances. Nous offrons au Seigneur le souci que nous avons les uns des autres. Le chapelet et la pièce d'artisanat symbolisent le ministère de la prière et les activités humaines pour embellir la création. Le pain et le vin symbolise des dons de Dieu, mais aussi notre travail quotidien.
frères et sœurs, prions d'un cœur unanime au moment d'offrir ce sacrifice qui est celui de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour Jésus, le Fils du Père, dans notre histoire, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des humains, afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous célébrons ta résurrection. Nous célébrons.
Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape Jean-Paul II, notre évêque, le cardinal Louis-Albert Vachon, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus s'est fait enfant, il a vécu sa croissance humaine, il a parcouru la Palestine en proclamant essentiellement sa conviction la plus profonde. Nous sommes aimés de Dieu, Dieu est notre Père. C'est aussi notre conviction. Disons-la avec lui en chantant. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ veut vivre en chacun de nous. Progressivement, il veut entrer en relation avec l'homme et la femme d'aujourd'hui, de telle sorte que nous puissions dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Honnêtement, qu'est-ce qui vit en moi? Est-ce l'amour de l'argent ou du pouvoir? Est-ce l'amour déséquilibré de soi? Est-ce l'amour des choses de ce monde ou est-ce l'amour de Dieu? Sommes-nous préparés à recevoir dans nos cœurs les fruits de son amour?
avant de repartir pour nos occupations quotidiennes, laisse-nous, Seigneur, te redire notre merci. Merci pour cette rencontre d'aujourd'hui. Merci pour les techniques audiovisuelles qui nous rapprochent. Merci pour toutes ces personnes qui se dévouent pour rendre nos liturgies plus vivantes. Merci pour la naissance de Jésus. Merci pour Jésus qui commence sa mission au désert. Merci pour toutes les bonnes nouvelles qu'il nous apporte. Merci pour l'Eucharistie qui refait nos forces. Merci pour nous donner le goût d'être meilleurs. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bénédiction de Dieu que nous allons accueillir, qu'elle soit porteuse de toutes sortes de bonnes choses, d'amour, d'amitié, de partage, de fraternité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dimanche prochain, le jour du Seigneur vous parviendra de l'Église Unie Saint-Jean à Montréal. À tous et à toutes, bonne semaine.